Link, que penses-tu de ce donjon? Ouais, j'aime pas le jardin et tout le tralala, donc je sens que ça va être vraiment chiant. Ouais, bah t'es comme moi en fait. Allez, salut! Ici Todd pour l'épisode number 6. Oui, number 6, et aujourd'hui, eh bien nous allons faire le donjon des bois perdus. Attention, ça veut dire qu'il va y avoir de l'action, et je suis chaud là, tant il est chaud. Il est chaud pour vous présenter. Enfin, pour vous explorer, voilà, ce donjon assez grand et truffé de tentacules avec des piquants. Enfin bon, c'est parti. Alors, je vous rappelle, on doit sauver un petit être qui s'appelle Dumoria. Donc on va s'empresser d'aller... Aïe, là je me suis fait un peu mal. D'aller la secourir, donc. C'est parti. Oh yeah. Chopéa. What then now? Oui, toi là. Je récupère toutes les petites. Ah oui, une petite chose. Je vais sauvegarder sur le 3. Ah, je ne peux pas sauvegarder sur le 3 en temps. Bon, je ferai ça plus tard. Pour l'instant, on fait le donjon. Ok, toi, tu prends ça. Bon. Yeah. Pareil, il y en a une ici. Attention, coup de vent! Oh my god! You are dead. Coup de vent. Toi, c'est pareil. Toi, t'en es... Ah non, c'est pas une plante. Faut faire gaffe. Faut savoir les différencier. Donc, il faut... Je vais essayer d'avoir ce coffre-là. Il n'y a pas une petite noix, là, quelque part. Alors, je vous rappelle la règle. Si une plante vous regarde de travers, là, avec son petit œil, voilà, utilisez toujours une noix à lui envoyer dans la gueule. Donc je vais essayer d'en trouver une. J'aime bien le bruit des plantes quand elles mangent. Écoutez, je trouve c'est sensuel. Il y a voilà, il y a du c'est ça quand on emballe une plante. Hein, c'est faut pas être surpris. Non, ça c'était moi par contre. Allez, on se dépêche, on va jusqu'en haut. Hop, y a pas une petite noix là? Ah, oh, bah parfait! Encore mieux qu'une noix, nous avons. Ah, je suis putain! Oh ah, bah au moins j'ai one shot les blobs. Bomb in your face, man! No, you explode! Yeah! Et on va l'emmener. Alors, comment on va s'y prendre là? Parce que. C'est un peu grand quand même. Enfin, je veux dire, je vais sauter super. Qu'est-ce que c'est là-bas? Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas, en haut. Quelque chose là-bas, je sais pas si vous avez remarqué. Hop, on fait un petit peu d'emballage de plantes. Hop. Ah oui, puis quand. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on va dans une plante, on récupère toute son énergie magique. Putain, il y a une autre ici. Bah, je peux pas, hein. Alors là, franchement. Ah, là-bas, regardez. On va aller là-bas. Ah bah la voilà notre noix, les amis. Il y en a même deux. Deux pour le prix d'une. Allons-y. Ah. Merci mon ami. Oh, c'est gentil. Dis donc. Tu me fais pas peur comme ça toi. T'es une vilaine. Ah yes, bon, c'est du bonheur pour moi. Ah merde, j'ai cassé les noix. Normalement elles repoussent. Ou alors, je sais pas, dans l'action, elles sont tombées? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Bon, allez, c'est pas grave, tant pis. Je me casse, salut. Non! Non! Fail. Oh yeah, toi, tu fail comme un boss. Like a boss. Allez. Je remonte, ne vous inquiétez pas. Un petit peu d'emballage de plantes, ça ne fait pas de mal, comme d'habitude. Allez, je vais éviter de passer trop de temps dans les salles. Hop, et hop. Très bien, alors là, je suppose... Alors ça, faut l'activer avec la feuille. C'est bon. La loi de la physique.
quand je pète, ouais, c'est à peu près pareil, hein, si vous visualisez un peu la chose, quand je pète, j'avance. Vous essayerez dans l'eau. Hop. Alors là, c'est pareil, coup de vent. Oh my god, oh là. Parce que la bête, elle se dit quand elle reçoit un coup de vent. Pareil, allez, on la refait. Coup de vent. Oh my god. Oui. Tu es un peu ébouriffé, ma chère. Si tu es une femme. You are dead. You too. And you three. Si vous avez compris la blague. Oui, je sais, les anglophobes vont détester mes blagues. Enfin bon, voilà. On a pété ces petites plantes. Continuons. Link, dans votre ville, n'a pas fini son show. Oh, encore toi. Tiens. Tiens, prends ça, prends ça. Ouais, fais pas la maligne. Fais pas la maligne. Toujours des petits trucs activés. De toute façon, la noix ne doit pas être très très loin. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Elle est là, la petite noix. Hop, parfait. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors, je regarderai quand quand je referai le... Non. Pardon d'avoir gueulé, mais... Je vais la rechercher. Oh, j'ai eu peur, je croyais que j'avais perdu. C'est bon, c'est bon. Je vais la poser, normalement. Voilà, fais pas de bêtises. Donc tout à l'heure, je disais, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai peut-être tapé les noix. Ah non, c'était pas des noix, c'était des trucs piquants comme là, il y a en dessous. Donc ça marchait pas. Bon, bah autant pour moi. Quoi? Tu oses me résister? T'es une vilaine. Hop, on continue. Eh bien, il y en a d'autres en plus. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, allez. Je pense qu'il faut donner un petit coup de vent. Ouais, c'est ça. Allez. Non, c'est pas par là, c'est là. Mauvaise herbe, ça n'a jamais été mon truc. Ah. Aïe. Continuons. Oula, grande salle là. Belle, très belle fleur. Très belle tentacule à pic. J'aimerais bien voir la même. Là, j'ai vu une petite branche. Donc, qui dit petite branche dit grappin griffe. Hop, c'est parti. Parfait. Voilà, là, j'ai raté mon train. Je le reprends. Maintenant. Allez, on se dépêche. Allez, allez. Genre, c'est vraiment pour les autistes. Hein. Le temps, 5 secondes à attendre. C'est bon, hein. J'aurais. Oh, je vais prendre l'annonce, c'est jamais. Ouais, là-bas. Oui, je sais, ma bourse est pleine. Oui, je m'en fous. Jamais trop que pas assez. Ok, ça va pas voulu s'activer. Oh non, je connais ce bruit, je déteste ces petits trucs. Et voilà. Alors, vous connaissez peut-être pas ça. Alors imaginez, vous vous prenez dans la mer et puis là, il y a plein d'oursins qui vous piquent. Aïe, aïe, aïe. Et bah là, c'est ce qui arrive à Link. Et lui, au lieu que ça lui fasse mal, bah ça lui fait genre, ça triple son volume. Sauf que moi, je les pète les oursins. Non. Attendez, on va... On va faire un truc. Voilà, lui, je vais le garder. Je vais en garder deux. Non, 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 non. Je veux vous garder. Toi, je te garde, voilà. Toi, tu restes avec moi. Voilà, j'ai un oursin qui me chatouille à la ceinture. C'est pas mal. Et j'ai encore un oursin rubis pour rien. Allez, petit oursin. On va t'appeler... On va t'appeler Toto, tiens. C'est très original, comme moi. Allez, tu viens avec moi. Est-ce que tu as peur? Non, pas vraiment. Disons que c'est ta tronche qui me fait peur. D'accord, donc toi, t'es mort. Alors, on se calme, les amis. D'accord, donc par ici. Oulala. Ouais, par là. Pas par là. Je vais mettre la caméra comme ça. Aïe!
rien fait pour ta gueule. Tais-toi, toi. Et oh, c'est vraiment nul, hein. Je m'appelle, je te chatouille le cou. D'accord, si je suis... Ouais, d'accord. Ah, je... Donc... Oh là là, je crois que j'ai oublié un truc important, là. Oh non, j'ai oublié un truc important. Demi-tour. Oh là là, ça m'énerve, je peux pas faire ce chemin super vite. Par là, ensuite c'est par là. Ensuite c'est par là. Oh là, je perds tous mes points de vie là-dedans. Non ! Toto ! Je meurs ! Ah ! Il me faisait chier de toute façon. Donc voilà, c'est pas une grosse perte. Voilà, c'est ça que j'avais oublié. Oh, je vais pas me faire avoir deux fois. Ça ! Tout simplement, regardez. Je vais l'envoyer là-bas comme un gros con. Voilà, ça nous permettra ensuite donc déjà d'avoir ça. Pff, attention. Suspense. Oh yeah, la boussole. Pour retrouver Toto. On va te retrouver Toto, t'inquiète pas. Tu n'es pas mort, je le sais. C'est un petit. Tu vois, je t'entends encore. Ah ah. Eh oui, c'est ça que j'avais oublié de faire. Ainsi, je vais pouvoir passer. Merci, petit choupetteur. Oh là, j'aime pas ça. Oh non. Le pire, c'est que je trouve pas de cœur dans les... Aïe. J'aime pas le bruit que ça fait. Non, il y a vraiment aucun cœur. Il est vraiment radin, ce donjon. Hein. Aucun cœur dans le... Dans les hautes herbes. Ok, toujours rien. Je vais pouvoir rentrer là, donc. Hop. J'espère que c'est pas un rubis. Yes. J'ai bien fait de le faire, ça. Sinon, on pouvait pas plus avancer. Hop, c'est parti. Parce que moi, j'aime me faire emballer par des plantes. Le secret d'une haleine bien fraîche. Ma nouvelle plante. Ok, là, je viens de sauter. Je sais même pas pourquoi. Ah d'accord, ok. C'est pour revenu en fait. Yes. Salut, je me casse. Oh, Toto, tu as des frères. Mais moi, je ne veux que toi. La belle histoire d'amour. Où es-tu? Non, vous n'êtes pas Toto. Toi non plus. Toi non plus. Toi, t'as deux yeux. Non. Je vais garder un de tes frères quand même. Parce que là, si je te tape... Ok, mais... Ok, ok. Toi, tu veux la garder. Toi, pareil. Oh, j'ai encore tué Toto. Je ne peux pas mourir qu'on développe. C'est comme si se... C'est comme... Ce serait comme si se faire battre au poker par sa grand-mère. Ce n'est pas possible. You are dead now. Et toi, t'en vas encore aussi. Allez, mais viens, viens, je t'attends, vas-y. I caught your hair. Bye. Bitch. Allez, on se calme. On se concentre. Ouh, allez, y a vraiment aucun cœur, là. Vraiment radin, hein. Vraiment, il y a plein de cœurs dans les... Je t'ai vu, toi, t'es une vilaine. Tiens, ça cœur. En plus, je t'ai pété. Allez, pêche-toi. Hop, et sorti. Plus vite. Il y a l'autre con là qui va m'arriver sur le côté, voilà, j'avais dit. Plus d'énergie magique. Non. Salut. Je me casse. Ah, coup de vent. Oh, t'es qui toi? Ah, elle me chie des Toto. T'es une vilaine. On chie pas Toto comme ça, enfin. Allez, venez les mecs. Venez avec moi. Venez avec moi, je vais vous tuer. Eh mais... Hey, moi. Ok, tu prends comme ça. Tiens.
Toi, c'est pareil. Bon. Je vais me concentrer. Sais-tu, je ne perds pas autant de cœur. Tiens, Toto, tu me lâches. Il n'y a qu'un seul Toto. Et il est là. Bon, allez, je te prends avec moi, toi. Viens, viens, viens. Tu viens avec moi. Tu fais trop de bêtises. Tu vois, c'est ça de piquer les gens. Après, ils te tapent. Mais ça, tu comprends pas, ça. Mais je veux leur faire des câlins. Non, non, tu arrêtes. Ouais, trouvé. Allez, viens, Toto. Wouhou! Tu arrêtes de faire le fou. Chez moi. Ok, j'ai eu l'un, mais pas l'autre. Allez, on va aller là-dedans. Oulala! Quand il y a un fond de gens noirs comme ça, ça c'est pas bon signe. En plus, on a laissé Toto. Il s'est cassé, ce gros lâche. Allez, va te faire tuer tout seul! Oh my god. C'est un papillon. Voilà, il a le feu au cul! Tiens! Tu fais pas peur. Tiens, un coup de vent. Ouh, ça fait mal ça. Aïe! Les cœurs. Aïe, aïe, il y a une commande réaction. Enfin, non, c'est pas des commandes réaction. C'est Kingdom Hearts qui me fait. Oh yes, t'as perdu une aile. Tiens! Tiens! And now, you're dead. Now, je t'ai tranché le cul. Oui, maintenant je saute sur ton cul. C'est bon, la caméra, calme-toi, calme-toi. Oula, c'est un gros coffre, les amis. Yes. Une plume. Je vais pouvoir chatouiller mes ennemis et ainsi les déconcentrer. Un autre objet à collectionner. Très important. Hop, je récupère tout cela. Hop, 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 hop. Et maintenant, le gros coffre. Suspense, parce que je n'arrive pas à le viser. Allez, Tot! Voilà. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh yeah! Venu tout droit de l'Océanie, le boomerang. T'as j'allais dire l'Asie. Bon, le boomerang, comment ça marche? C'est parti! Le boomerang, franchement, j'adore ce truc. Toutou! Et ben voilà, tout simplement. Faut viser comme avec le grappin griffe, y'a pas autre chose à viser, non y'a rien. Et le boomerang, franchement, ça débloque tellement de choses, j'adore ce truc. Une petite pause coca. Ah, bien. Oula. Tiens, tout se tranche. Et voilà. Ça va, trop bien. Hop, clac. Clac. Clac, je t'ai pas eu. Toi je suis tard. Hop. Ouais, toi là, toi. Tu viens là. T'es une vilaine. Non, reviens. Mon boomerang aussi est une vilaine. Oui, toi là. Quand même quoi, c'est pas mal hein. Alors là c'est tout simple. Clac, clac. Wouhou. You are dead now. Là c'est la séance coupage de liane. Parce que les développeurs ont que ça à foutre. Eh vas-y, on va leur mettre une pièce de liane comme ça et ils vont bien se faire chier pendant 5 minutes. Ouf, à un moment j'ai cru que je n'avais plus la feuille dans mes raccourcis. Donc j'allais tomber comme une grosse merde. Bien joué, rendu du bonheur. Je suis plus heureux maintenant. Je dois avoir pas mal là, je dois avoir une bonne dizaine parce que j'en ai volé sur des moblins. Ah bah voilà. Maintenant moi je suis un gros saccageur. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Gros saccageur, c'est parti. Moi je casse tout, moi je suis comme ça. Yes. Bon bah on saute hein. Fillette. C'est parti. On continue. Donc là maintenant ce qu'on cherche c'est la clé du boss. Oh, et Toto il m'attend pour la baignade. Non. Non Toto. Tu n'as pas ton maillot de bain. Et parce que c'est de l'eau, hein, le truc violet. Hein. Ceux qui n'ont pas. On va pas taper. Voilà. T'étais une. Faut que je te punisse. Faut que j'arrête de dire qu'il est une vieille. Allez, toi, Toto, tu restes avec moi. Allez, tu viens. J'aime pas ces trucs. J'aime pas ces trucs, j'aime pas ces trucs. Ces lianes-là, elles sont invincibles, c'est pour ça que je les passe. Ah merde, j'ai laissé Toto.
Non, on veut pas que je coupe ça maintenant. Je préfère avoir le coffre. Hop. Yes. Yes, un rubis. Un rubis qui ne vous sert à rien puisque votre bourse est pleine. Ah. J'ai bien cru que je me croyais encore dans Portal. Oh putain, je fais comment là? Hé hey. Une échelle. Et là, j'étais coincé. Désolé d'être vulgaire sur ce coup-là, mais... Elle tient à quoi, là? Ok, en plus, les lianes repoussent. Je me suis bien fait avoir sur ce coup-là. Tiens, 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 tiens. Je t'ai vu. Oui, je connais les bruits. Et alors? Par contre, ça, je ne sais plus comment on fait. Ah, ouais. Tout simplement. S'il y a une barrière, il y a un choupetteur pas loin. Explosion. Belle salle. Je t'ai vu. Voilà, c'est ça d'avoir la classe. Il les coupait avec le boomerang. Eh, quand même, Link qui gère, quoi. Essayez de faire ça dans la vraie vie, t'sais. Tu tapes ton pote avec ton boomerang, il revient direct, t'sais. Oh, en un coup, même. Oula. Moi. Toto. Tiens. Allez, viens, Toto. Ah, on y reparle. En fait, c'était un cul-de-sac, je crois. Ouais. Mais Toto, t'as des frères partout. Ouais, notre mère, eh ben, elle va un peu partout, elle aussi. Ah, d'accord, je comprends. Yes. Ah. Ah, je vous l'avais dit qu'il y avait de l'action sur cet épisode. Allez, viens, Toto. Hop. Alors, je crois qu'il faut aller. Ouais, et ensuite on a un choupetteur, je pense qu'il va falloir le lancer dans une sorte de creux là, dans le. Dans l'arbre en fait. C'est parti. Toto! Mais Toto, tu voles, tu me l'as jamais dit! Je sais. Chut, il faut pas le dire. D'accord, t'inquiète Toto, je le dirai à personne. Allez! Raté. Bah oui, c'est marrant comme ça. Ça fait un petit bruit. No explosion. Je crois que je l'ai eu. Ouais, j'ai eu. Ah ah, un coffre de type moyen. Oh, nickel. Hey, je vais voir, Pousse-toi, Et oui, une grande salle pour juste une carte au trésor. C'est magnifique. Bon. Je me demande encore toujours si je vous ferai un épisode complet sur les cartes au trésor ou j'ai fait hors caméra. Vous déciderez, hein. Vous avez le temps. Je ferai que vers la fin, ça, les cartes au trésor. Juste avant le boss, on va dire, de fin. Que je ne dévoilerai pas, même si vous savez sûrement qui c'est. Allez, Toto, on y va. Ouais. T'es une super tout ce truc-là. C'est vraiment génial. Oh non, faut que je te recoupe, toi. Tiens. Non. Non. I like to dance with my feuille. Je dirige une plante qui flotte sur l'eau. Qui ne suit même pas les mouvements que je fais. Ah voilà, c'est parti. Ouais, du surplace, Link. Double kill, fatality. C'est pas compliqué, je sais pas, moi quand je fais ça, normalement je vais tout droit, je vais pas sur le côté, ça me semble logique. Enfin bon. Oh non, oh non, non, pauvre, s'il vous plaît, non, 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 arrêtez, arrêtez, vous êtes vilaine. Oulala, là là, attention. Voilà, ça me bloque le passage. Toto, est-ce que tu es prêt? Je sens qu'il va y avoir de la baston ici. Est-ce que tu as vu le coffre? Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la clé du boss, mec. Tu vas tuer maman? C'est ta mère, le boss. Révélation. Je pense qu'il m'en manque pas. Yeah, ouais, ouais, ouais.
Parfait. Perfect. Nice one. Pourquoi il regardait en l'air? Il y a un truc en l'air. Ah ouais, il y a quelque chose activé après. Je veux voir, je veux voir. Je veux voir. Je regarde ton cul, attends. La clé du boss. Oh yeah, la grande clé pour les intimes. Donc c'est parti, on va pouvoir aller combattre ce gros boss qui abrite ses poids perdus. Ses poids perdus, oui, ses poids perdus. Oh, gencive sanglante, tu es de retour. Tu te fais pas peur? Ouf, t'as l'autre, il a failli me faucher. Tiens, tu avais pas vu celle-là, hein? Toto, va te mettre à l'abri. Non, c'est lui. Oh 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 oh. Putain, il me sent en plus, il me voit même pas. Tiens, 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 tiens. Ah, avant, vous me faites bien de le rappeler, j'en ai entendu un ou deux qui m'a dit vol sur eux. Ok. C'est bon, hein. Et l'autre? Attendez, avant je vais tuer lui. Non, c'est pas lui que je visais. Non, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Non. C'est vraiment une merde de mourir pour ces mecs là. Oh, je crois que j'ai oublié de le voler par contre. Bon, c'est pas grave. Voilà. Yes, ok. No, it's not possible. Eh oui! Ma fée était là, oui! Il y avait cru, hein. Je savais que j'avais ma fée de toute façon. Mais bon, j'aurais préféré la garder pour un boss. Hop, hop, hop. Ah oui, ça c'est pour moi. Hop. Les rubis qui ne servent à rien. Et donc là-bas nous avions vu donc une branche, c'est parti. Link il a l'œil, regardez, vous avez vu, il le regarde quand même. C'est bien fait, comme ça on sait qu'il y a quelque chose, parce que moi je l'aurais pas vu. Bon, gencive sanglante n'a pas fait de réels dégâts, même si elle m'a eu, on va dire. Toto, tu es là, tu t'étais mis à l'abri. Quoi, t'es pas mort toi? Si, c'est sympa Toto. Toi t'es mort. Et viens Toto. Viens avec moi, viens. J'ai peur. Tais-toi, m'en fous. Active ça. Non. C'est la feuille que je voulais. Toto, tu n'aimes pas le vent, je ne savais pas. Le haut, pardon, je ne savais pas. Attendez, je vais réactiver. Hop, et on va remonter en fait. Petit emballage pour la laine fraîche. Hop. Toto, viens par ici s'il te plaît. Merci, voilà. Utilise ton pouvoir de télékinésie. Oui, parce que je crois qu'avec le pouvoir de télékinésie, on peut se déplacer. Pouvoir psychique. Attention! Quels sont les ennemis ici? Ce sont les mini papillons! Envoie-moi des Toto! Un coup dans les fesses, hop! Voilà! Allez, venez, venez! D'accord, d'accord, ça c'est encore un rubis, je parie! C'est quoi, c'est quoi? Ah, pendentif du bonheur, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, 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 on continue. Je sais pas où on va arriver. Oh non, les mecs, pas à 15 000. Toto, viens avec mon stock. Non, pas toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Je crois bien que c'est l'entrée du boss. Toto! Bah voilà, il a fait le fou, il s'est mis sur ma, sur mon épée, et forcément. Bon, voilà d'autres. Je vais... Alors, attendez. Je sais qu'il va y avoir une fée, donc je garde un petit flacon, on sait jamais. Non? Yes. C'est de pas trancher la fée, voilà. Yes. Regardez tous les totos là qui font... Ah, putain! Ça va attraper une fée. Elle va pouvoir vous soigner alors que vous l'avez... enfermé. Qu'est-ce que je voulais faire? Ok Toto, tu viens avec nous. On sauvegarde, on sait jamais. Des fois que je meurs. And now,
c'est parti pour aller combattre la mère de Toto. C'est parti. Tu viens ici. T'es une vilaine. Allez, tu viens. Oh my god. Pick up. Vous avez mangé du Moria. C'est parti. Mais c'est une grosse mer, ça, dis donc. Ok, donc à ce que je me souviens, ce que ça se dit, faut couper ces petits trucs là en haut. Sans se faire avoir par les tentacules. Hop, je sais faire plus vite. Ouais. Oula, oula. Allez, allez. Chut. Merde. Hop, 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 hop. Parfait. C'est bon, je l'ai lancé avant. Yes, elle est tombée. Now you are dead. Escape! Non! Tu fais manger! Voilà, je me fais encore emballer par des fleurs. Encore là, c'est la merde. Allez, je me prépare. Non! Chaque fois, je tape sur son bulbe. Eh, dis donc, il y en a qui ont pensé à quoi quand j'ai dit ça? Escape! Dodge! Je suis en train de spammer mon bouton, hein. Hop, allez, allez. Oh non, le bulbe. Allez, hop, tac. Toujours vivant, toujours vivant. Allez, plus que deux. C'est parti. Salut, toi. Headshot. Bah voilà, c'était pas dur. Non, je veux toujours être vivante. Et voilà, j'ai désherbé la plus grosse. Désolé Toto, tu es maintenant orphelin. Oh fou. Mais t'es où? C'est toi qui m'a délivré, Mia l'épée. Merci beaucoup. Oui, parce que c'est un garçon, hein. Moi j'en dis plus une fille. Tu dis mais à venir, j'ai pensé que j'allais mourir. Mais au fait, comment tu es venu jusqu'ici? C'est ton grâce au vénérable Arbin Mojo. Ce gros con, mais c'est vrai, la cérémonie à duel doit avoir lieu aujourd'hui. Partons vite d'ici. Ok, avant, je prends ça. Oh yeah! Vous obtenez le cœur de la fleur. C'est un cœur de plus dans votre énergie vitale. Et on peut se casser. Allez, viens avec moi, du Moria. Oh 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 oh. Allez, viens. C'est pas mal là, de se casser comme ça d'un donjon, hein. C'est la classe. Salut toi. Du Moria, te voilà, tu es sain et sauf. Et sauf. Vénérable Mojo, excusez-moi. Pourtant, tu m'avais mis en garde. Tu me tutoies pour. C'est oublié du Moria, la prochaine fois, tu feras plus attention. Tot, bravo pour ton courage, je te remercie. Voici ce que je t'ai promis. Voilà, tu pouvais pas faire ça quand t'avais ta feuille. Oh. Ça tombe sur la tête de Dumoria. Headshot. Oh yeah, la perle de Faror. Ce joyau divin vous est remis par l'arbre Mojo, l'esprit de la terre. Je vais prier pour que cette perle te porte chance. Allez, Dumoria, sèche tes larmes. Joue-nous donc un morceau, comme d'habitude. Comment ça va de la cérémonie? Excusez-moi pour ce contretemps. Allons-y. Tata, tu l'as pas vu, hein? Tot, pour te remercier, je vais essayer de jouer encore mieux que d'habitude. J'espère que ce morceau te plaira. Je l'ai intitulé Le Bouffon Vert. Magnifique, hein.
Allez les mecs, on se casse. Vénérable, oh bonjour, tes fruits sont superbes cette année. Oui, parce qu'en entendant la musique, il a eu une extase et il a fait des fruits. Bah ouais. Non, non, il se fait pas féconder pour du... Il fait des fruits assez bizarrement, oui. Je sais pas. Toi aussi, Amir, l'épée, porte-toi bien et un de ces jours. Salut. C'est pas mal, c'est pas mal. Et bah voilà. Et bien, tu, Moria, finis cet épisode par un joli petit air de musique, de violon branche. Donc les amis, j'espère que ça vous aura plu cet épisode number 6 de Zelda Wind Waker avec plein d'action dans ces bois perdus. Et donc, du Moria et moi, nous vous souhaitons donc une... de vous porter bien. Elle vous demande de faire 2 mètres des pouces verts. Attendez, je vais vous faire la voix. S'il vous plaît les amis, mettez des pouces verts. Mettez plein de pouces verts. Et des commentaires aussi, partagez la vidéo. Mais mettez pas de pouces rouges. Sinon, je fais plus de musique après, ça m'énerve. Voilà, donc du Moria a dit le mot de la fin. Allez, portez-vous bien, c'était Tot, et à bientôt pour l'épisode number 7.